Alors moi, ça faisait 2 ans que j'avais envie de le faire. Donc je me suis beaucoup renseigné sur Internet et en tapant sur YouTube directement, je tombais directement sur des vidéos du docteur Auroi. Donc j'ai tout de suite aimé ce docteur, entre guillemets, parce qu'il était calme, il était rassurant, ça se voyait qu'il savait de quoi il parlait. Donc j'ai décidé de passer à l'action et de prendre un premier rendez-vous pour faire une consultation au sujet donc de ma périoplastie potentielle. Oui, voilà, absolument. Étant sportif, en fait, j'avais un peu le syndrome du vestiaire parce qu'étant sportif, j'étais amené à me déshabiller dans les vestiaires avec les autres. Et j'étais pas à l'aise, j'étais complexé par la taille de mon pénis au repos, finalement. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité passer par une pénoplastie pour ne plus avoir ce complexe et être plus à l'aise dans mon corps et avec moi-même. Non, donc la pénoplastie, elle est indolore parce que tout le pénis est endormi. Donc on sent rien et c'est un acte rapide. Oui, très bien déroulé. J'ai été très bien accompagné par le docteur Roy, donc il m'a expliqué la procédure qu'il ne fallait pas avoir de rapport sexuel pendant 1 semaine à 10 jours suivant l'acte, éviter d'aller dans la piscine ou des choses comme ça. Et donc tout s'est très bien passé. Je n'ai pas eu d'effet secondaire ni rien. Oui, absolument. Je suis complètement satisfait. Ça correspondait à mes attentes. J'ai gagné 4 cm de circonférence du pénis. Et donc, je me sens mieux dans mon corps et je suis plus à l'aise. Là, en 1 an, j'ai fait mes 2 rendez-vous, absolument.